Salut à tous et bienvenue sur xboxlive.fr, c'est PlayGeekTheWise. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à une mise à jour qui a été faite pour les membres au preview sur la Xbox One. Il s'agit des clubs. Donc on va regarder ensemble comment créer un club, en quoi ça consiste et qu'est-ce que ça va apporter concrètement à la communauté. Alors dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est que pour accéder au club Xbox One, donc il faut aller déjà dans l'onglet communauté dans lequel se trouve l'onglet spécifique au club qui se trouve à droite de votre écran. Donc, au niveau de la tendance des jeux Xbox One, c'est pas forcément mis en avant et au début, on a beaucoup de mal à trouver cette fonction. Et, pour vous dire, j'ai dû chercher 5-6 minutes pour réellement trouver l'onglet qui correspondait. Une fois que vous êtes rentré dans l'onglet communauté, vous allez arriver dans la découverte des clubs. Et donc, on va pouvoir avoir un certain nombre de clubs qui vont être déjà affichés avec les invitations que vous allez recevoir, les derniers jeux auxquels vous avez joué et des clubs un peu VIP. Vous pouvez chercher un club en fonction de plusieurs tags, donc micro, pas de micro, insulte, pas d'insulte, etc., etc. Vous pouvez aussi choisir un club en fonction du jeu sur lequel vous souhaitez des informations ou rejoindre une communauté. Donc, vous pouvez très bien chercher Dark Souls, Halo, Gears, Plants contre Zombies, Battlefield et tous les nouveaux jeux qui sortiront. Mais il faut que ces jeux soient dans votre liste, dans votre liste de jeux joués pour qu'ils soient répertoriés dans la fonction choisir un club. Vous pouvez choisir aussi un club, enfin chercher un club en fonction d'un mot spécifique. Donc là, on va taper Xbox et vous allez voir l'ensemble des clubs qui ont la notation Xbox dans leur dénomination. Cette fonction est assez intéressante parce que du coup, ça permet de faire une recherche vraiment rapide sur un club vraiment précis juste en tapant un mot-clé. Donc ça permet d'éviter de se palucher toute une liste de clubs qu'on n'a pas forcément envie de regarder. Alors maintenant, on va regarder ce qui est le plus intéressant, c'est la création d'un club. Donc là, on va pouvoir faire de multiples choses, sachant que c'est quand même assez limité, je trouve, mais c'est un bon début. Donc on va regarder ça tout de suite. Au moment de créer votre club, vous avez trois possibilités. Donc soit créer un club public, soit privé, soit masqué. Donc en fonction des envies que vous avez soit de faire ramener une communauté avec vous ou plutôt de faire quelque chose de plutôt privé par rapport à une team ou un clan ou autre, bah ça vous permet de plutôt verrouiller l'accès et ensuite un club masqué. Donc là, ça va vraiment être plutôt très très intimiste comme fonction. La première chose qui vous sera demandée, donc, c'est de choisir le nom de votre club. Donc vous aurez la possibilité de vérifier si le club est déjà existant. Donc tout simplement, lorsque vous aurez choisi le nom, on vous demandera de vérifier et on vous dira si le club est déjà pris. Donc il faudra soit modifier, soit valider le nom de votre club. Donc ensuite, on va s'attacher donc à la personnalisation du club avec les ajouts de balises, de descriptions et des jeux préférés. Donc les balises, ce sont les tags qui vont servir à la recherche dans le moteur de recherche. Donc on peut ajouter sur la communication, sur le site de jeu. Voilà, vous allez avoir pas mal de choses. Ensuite, vous allez pouvoir ajouter une description. Donc là, vous mettez le texte que vous souhaitez que la communauté voit lorsqu'ils vont adhérer à votre club. Ensuite, il y a les jeux préférés. Donc là, ce sont l'ensemble des jeux qui sont disponibles dans votre liste de jeux. Donc vous pouvez ajouter n'importe quel jeu à partir du moment où vous l'avez dans votre liste. Ensuite, vous allez pouvoir personnaliser votre image de club, le fond, la couleur choisie, on va dire, et aussi l'arrière-plan du club. Donc là, ça va être soit une image de jeu, soit ça va être une image d'un succès. Voilà, vous allez pouvoir faire plusieurs personnalisations pour rendre votre club un peu unique.
Alors maintenant, on va s'attaquer à la partie paramètres du club. Donc là, vous allez pouvoir modifier pas mal de choses dans l'interface, c'est-à-dire que vous allez pouvoir choisir les membres qui sont décisionnaires dans le club, qui peuvent poster, qui peuvent supprimer des billets. Vous allez pouvoir aussi définir des administrateurs, des propriétaires. Donc il y a pas mal de choses qui peuvent être faites au niveau de la gestion de l'équipe. Ensuite, vous allez pouvoir gérer vos publications, faire des invitations, des recommandations pour amener plus de monde dans votre club. On va avoir aussi des fonctions pour donc bannir les gens, supprimer les membres. Vous allez pouvoir aussi donc faire des modifications dans la gestion pure du club, c'est-à-dire par exemple supprimer si vous ne souhaitez plus justement interagir dessus. Vous allez pouvoir aussi choisir la langue dans quelques temps. Donc il y a plusieurs paramètres qui sont vraiment intéressants et qui permettent de vraiment déléguer et de travailler en groupe sur un club en particulier. Alors maintenant, on va s'attaquer au système de groupe à l'intérieur des clubs. Donc les groupes à l'intérieur des clubs permettent de créer tout simplement des groupes de discussion, des groupes de jeu autour d'un même thème. Alors ça fonctionne comme un groupe d'amis, sauf que là, vous mettez une notification dans le club comme quoi vous avez créé un groupe. À l'instar du club que vous avez créé, vous pouvez mettre des balises, vous pouvez aussi fermer le groupe aux invitations ou non. Vous pouvez aussi affecter un jeu à ce groupe en particulier, ce qui permet tout simplement de faire une sélection au niveau des joueurs qui ne sont pas forcément intéressés ou intéressés de rejoindre le groupe que vous avez créé. Alors le système de balises est assez intéressant sur le système de groupe, c'est que vous pouvez choisir donc des balises assez populaires. Vous pouvez aussi avoir des balises comme celle du club, mais aussi vous pouvez ajouter des balises liées au succès. Donc par exemple, si vous faites comme dans la vidéo, vous choisissez Plantes contre Zombies, vous allez avoir la liste de tous les succès qui sont disponibles dans Plantes contre Zombies. Et vous allez pouvoir les cocher et les ajouter aux balises, ce qui va donner des informations sur ce que vous voulez réellement réaliser lorsque vous avez créé ce groupe. Alors, vous pouvez aussi limiter le nombre de personnes qui pourront rentrer dans le groupe, donc jusqu'à 16 personnes, donc c'est l'équivalent du chat classique. Et vous pouvez aussi donner des informations à quelle heure vous allez le commencer. Vous pouvez aussi, une fois que le groupe est rejoint en entier, c'est-à-dire que vous avez le nombre de personnes que vous aviez demandé, et bien vous pouvez lancer une invitation comme quoi le groupe va commencer. Alors il faut le souligner, hein, pour une fois, Microsoft a réussi quelque chose de vraiment intéressant au niveau communautaire. Les clubs ont vraiment une fonction et un intérêt pour souder la communauté sur certains jeux, certains types de façons de jouer, comme la chasse au gamescore, la chasse au succès. Voilà. Il va y avoir tout un tas d'interactions possibles et qui va renforcer un peu ce lien social qui avait un peu disparu avec les chats privés lorsque la 360 est arrivée avec cette fonction-là. Donc ça devrait ouvrir un peu plus la sociabilité du Xbox Live. Maintenant, il va falloir regarder de très près comment va faire vivre Microsoft cette nouvelle fonction. Et on a hâte de pouvoir vous accueillir sur le futur club xboxlive.fr que nous allons créer dans très peu de temps. Si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à les poser sur xboxlive.fr. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!